Et organiser le jeu des Bleus. Oui, ce sont deux demi qui ont vraiment des sensations, ce sont des joueurs d'instinct et qui sont absolument nécessaires à ces postes cruciaux. Il faut absolument conserver notre esprit, notre French flair, et ces deux joueurs sont tout à fait représentatifs de ce que nous aimons. Sur le lancer de Smith, ballon pour les Sud-Africains avec le pied de Bosman. 20 ans, je vous le disais, deuxième sélection et qui pour l'instant souffre. Il n'a pas trouvé la touche, mais les bras de Castagnier, de la relance de Castagnier sur la fin de passe. Superbe Thomas Castagnier comme au plus beau jour, et monsieur Young intervient. Jérôme Thion est resté au sol, je crois qu'il a pris une manchette. En fait. Of a player over at the line out, just at the break of the line out. Okay. Rollers, can you get the line out mark for us here? Have you got a number? No. Alors, M. Young est allé voir M. Alan Lewis, l'un de ses deux juges de douche. Okay, it's a penalty. Out 15. Alors que l'on voit là, c'est tout à fait sanctionnable. Autant que. Et il va prendre des nouvelles du capitaine français, Jérôme Thion, troisième capitana. Il a pris le relais de Fabien Pelous après la suspension de Pelous. C'est vrai que le rafut au coude, c'est très très dangereux. Hein. Bah, c'est cette petite limite dont on parlait tout à l'heure entre l'engagement maximal et la violence. Et là, on franchit le cap. Et c'est vrai qu'avec ces types qui sont très très costauds, même sur un gabarit comme Jérôme, c'est efficace. Donc ça devrait se traduire par une pénalité en faveur de l'équipe de France. Alors que regardez, Laola est déjà parti dès le premier quart d'heure ici au Stade de France.